Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre série La Compétition Agricole. On se retrouve tout de suite après l'intro, c'est parti. Donc voilà, donc pour ces idées les gars, je suis en compagnie de Klemmer, salut à toi. Salut, salut tout le monde. De Corentin qui n'est pas sur le jeu, on va vous expliquer tous les bugs qu'on a eu après, salut à toi. Salut. De Jonathan qui n'est pas non plus sur le jeu, salut à toi. De Juju Farmer qui est sur le jeu, hein, comme Klemmer, salut à toi. Salut. Et de Tommy, salut à toi, qui est sur le jeu aussi. Salut, salut. Donc, il y a eu de nombreux changements et de nombreux bugs. Je vais vous expliquer ça au cours de cette vidéo. Donc, je vais vous expliquer les bugs, comme avec la découverte de Bindle Bash, les bugs d'abord. Donc, en fait, depuis, je sais pas, je pense pas que ça vienne de ça, mais depuis que j'ai testé Bindle Back, bon, après, ça vient du serveur ou de la map, j'en sais rien. En fait, on peut plus rejoindre le serveur, enfin, ça fait synchro à l'infini, et on est obligé de restart la game, sauf que quand on arrive, on sauvegarde, on quitte, on peut plus revenir, faut qu'on restart la game, du coup, en fait, on peut plus sauvegarder. Donc prochain épisode les gars, on change de map. Bon, on va refaire les fermes en off, hein, on refera les fermes, on achètera exactement le même matos. Parce que là je vais aller vous montrer un peu les Google Docs qu'on a fait avec le nombre d'argent et tout. Donc on va refaire les mêmes tonnes de betteraves, on va essayer de faire à peu près pareil. On va refaire les bottes en paille, on va faire tout ça en off malheureusement. Voilà, on va être obligé parce que la map elle est totalement bug, enfin la partie surtout. Donc du coup voilà, donc je vais vous montrer un peu, enfin je vais vous dire aussi que Tommy n'est plus avec Klemmer dans la ferme des vaches et il est allé à la place de Fred avec Juju à l'ETA Akuma. Et puis vu qu'on changera de map, en espérant que Jonathan puisse rejoindre, comme ça il ira avec Klemmer sur la ferme des vaches et puis moi donc je suis encore avec Corentin pour la ferme des cochons. Donc les gars, je disais, donc désolé s'il y a pas mal de coupures, donc je disais, donc nous on a acheté avec Corentin cette benne là, donc on a tout compté, je crois on a acheté 62 000 €. Après bon, on accorde toujours les même tracteur. Bon du coup on fera notre ferme et sauf si on prend une map où c'est déjà fait de base, mais on essaiera de prendre une map où on les refait nous-mêmes et puis on essaiera de faire un peu plus optimisé. Donc dans cet épisode les gars, je vais vous dire les résultats des sondages, comme ça va introduire un peu les activités qu'on va faire. Donc du coup bon, moi je devais aller chercher les animaux avec Corentin, moi je devais prendre la voiture avec pour les chevaux et puis Corentin pour les cochons. Donc du coup je disais, j'ai eu peur qu'il n'y avait pas de négociant en bêta, je me suis dit oh putain j'espère qu'il y en a un parce qu'il n'y a pas de point de vente sur cette map. Et si on vient de vérifier, normalement il y en a un, j'espère qu'il va marcher. Donc du coup moi je vais aller tout seul vu que Corentin n'a pas réussi à rejoindre. Tout le monde a réussi à rejoindre sauf Corentin et puis Jonathan qui n'arrive pas à rejoindre depuis le début. Donc voilà, depuis le début cette map c'est pas la meilleure on va dire. Donc du coup bref, donc les vaches vous avez voté pour que ça soit à 54% pour que ça soit du travaux de terre. Et puis que le TA les aide à 52%. Donc je vous mettrai tous les screens comme d'habitude ici. Et donc le nouveau sondage en description, encore une fois les gars, je compte vraiment sur vous pour aller voter. Du coup voilà. Et puis moi vous avez voté à 40% à peu près pour qu'on fasse du transport d'animaux. Pour ce qui est des bottes, le prix des bottes que la ferme des vaches nous a fait, il y avait 80, 100 ou 150 € la botte. Et vous avez voté à 47%, 80 € la botte. Donc il y a une somme qui a 65 bottes à peu près je crois, un truc comme ça non? Il y a 66 bots. Donc voilà, normalement ils sont là. Donc on les a, bon je vais pas finir de les ranger. Du coup si on change de map, on essaiera d'en refaire 66 à peu près. De toute façon je vais vous montrer toute la feuille de calcul après. Et puis voilà, donc on va payer 80 € la bot. Donc ça fait x 66, on va perdre un peu d'argent. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça nous fait de la paille. Enfin bref, du coup, je sais pas s'il y aura un épisode la semaine prochaine, peut-être plutôt dans 2 semaines, vu que ça va prendre du temps de refaire tout. Enfin bref, du coup, nous on va aller chacun dans notre channel, je vais rester avec Corentin quand même, histoire de pas être tout seul à parler, tu vois. Et puis, je vais aller voir après la ferme des vaches et puis le TA, comment ça se passe pour les travaux de terre. Du coup les gars, donc du coup je vais commencer par aller chercher les chevaux. Donc on a acheté hein, les deux là en fait, on a acheté la petite voiture et puis le petit truc pour les chevaux tout simplement, parce que je crois qu'on peut prendre les chevaux, on peut les prendre que avec ça. Et puis sinon si on aurait été deux, il y en aurait un qui aurait pris le petit John Deere et puis on aurait été chercher la bétaillère Josquin à la Cuma. Qui est la bétaillère, je sais plus, elle est où, elle doit être par là, un truc comme ça je pense. Je sais plus où ils l'ont mise, enfin bref, elle était là quoi. Je sais plus. Et mon jeu, vu que j'ai dû le réinstaller à cause des bugs comme ça, je pensais que ça venait de ça, mais non. Et du coup, les FPS, j'ai dû laisser les graphiques par défaut. Du coup, les FPS, j'en perds un peu. Bref, du coup, on va pas plus tarder parce que déjà, on a perdu pas mal de temps à vous expliquer tout ça. Négociant bêta, il faut que je prenne les routes. Ah ouais, il faut que je monte tout ça. Ok, de toute façon, je vais essayer de. Au pire, je vais brancher la manette, les gars. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer juste devant les travaux de terre, comme ça va faire un peu genre.
sûr, on passe à côté, on va voir un peu comment, qu'est-ce que ça donne. Je pense qu'on ira les revoir en revenant ou pour la deuxième tournée avec les cochons si on fait une deuxième tournée. Donc là, logiquement, si je vais par où là? Par là. Ouais, on peut aller par là aussi. On va aller par là. Hop, donc la map c'est Raywailer, un truc comme ça les gars, donc malheureusement il n'y a pas de point de vente ou quoi. Donc on va changer de map, bon là on est qu'à l'épisode 5, on change déjà de map. Mais bon voilà, c'est dommage, mais bon après, ok bah c'était pas, si on peut retourner par là, je me suis dit, c'est pas cette route là. C'est pas cette route, bon, j'ai fait un détour en fait, je suis un peu mauvais, je connais même pas encore la map trop par cœur. Parce que bon, on a fait 5 épisodes dessus, mais après... Donc voilà, faut encore qu'on refasse tout ce qu'on a fait en off, hein. Bien sûr, on le fera dans les 5 premiers épisodes. Enfin, tout ce qu'on a fait dans les 5 premiers épisodes, on le refera en off, du coup, sur la nouvelle partie. On sait pas encore, si vous avez des maps à nous conseiller, les gars, ça serait cool. Dites-nous ça dans les commentaires, sans bugs, s'il vous plaît, ça serait cool et tout. Donc voilà, ce serait plutôt pas mal si la map serait pas buggée. Et puis qu'il y aura un point de vente et tout ça quand même. Donc leur champ, il me semble qu'il doit être par là. Je les vois, ils sont par là. Donc non, là c'est un champ de paille. Donc ça c'est un champ de paille à Klemberg. Il a pas fini de le presser. Ah, ils épandent du fumier. Ah oui, d'accord, il déchaume direct sur la paille. Bon, c'est un peu du gaspillage, hein, mais bon. On va faire genre on n'a pas vu. Voilà, c'est là. Donc j'espère que le trigger va marcher. Donc normalement c'est ici. On est dedans. Nickel. Enfin attends, il a pas encore marché, mais normalement il n'y a pas de souci. En chevaux, du coup, on avait dit qu'on en prenait combien? Sachant que c'est 5000 euros, je crois qu'on avait dit qu'on allait en prendre 4 peut-être. 4. Ouais, 4 je crois. 4 ou 5 c'est bien. On va prendre celui-là. On va prendre des beaux. Non, il n'y a pas que 4. Ah bah en fait on peut en prendre que 2 dans la bétail. Donc normalement. Ah, il t'a la remorque. T'as pris la remorque là, à chaud. Attendez. Ouais, j'ai pris bah, la première là qu'on accroche derrière. Un... Ouais. Ouais. Derrière la voiture. Ouais, c'est ça. Confirmé. Ok, c'est bon. Putain, je crois que ça avait pas marché. Bon, du coup, c'est bon, on est parti. On ramène les chevaux. Je pense que je vais faire un accéléré, les gars. Ça a changé un petit peu. Et dès que. Bon, il y a synchro en plus. Donc, je fais un accéléré quand je ramène les chevaux. Et dès que j'ai ramené les chevaux, je vous montre un peu tout ce qui est pour l'argent. Allez, à tout à l'heure. Les gars, bon, désolé si je me suis pris quelques murs à quelques endroits. Bon, après, je ferai peut-être des coupures dans l'accéléré. Ou je sais pas si vous aurez fait un accéléré, j'en sais rien. S'il n'y a pas d'accéléré, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, du coup, hop, je recule vite fait ça, du coup. Et puis, je pense que après, on ira voir les comptes. Et puis, on ira voir où sont rendus les autres. Et après, je pense que ce sera la fin de la vidéo. Parce que déjà, ce sera pas mal. Et puis, je mettrai, quand j'irai chercher les cochons, je mettrai ça en miniature. Même si, bon, au final, ce qu'on fait, j'avoue que ça sert un peu à rien vu qu'on va changer de game. Mais au moins, ça permet quand même de vous montrer ce qu'on fait. Parce que, au final, ça, on le refera en off. Donc, si on le fait pas en vidéo, on le fait en off. Donc, du coup, voilà. Donc, nos deux chevaux sont ici, les gars. Donc, c'est plutôt cool. Hein. Franchement, voilà, ils sont bien arrivés. Ça marche. Bon, pour ce qui est de ça, c'est nickel. Ça marche. Donc, les triggers ont marché. Heureusement qu'il y avait un négociant en bétail sur la map quand même. Parce que sinon, j'aurais bien eu le seum. Donc, du coup, sinon, voilà, j'aurais vraiment pas mal eu le seum. Donc du coup les gars, je vais retourner avec les autres et puis on va vous montrer un peu comment marche le Google Doc. Voilà les gars, donc on est avec tout le monde. Donc pour comment on calcule, donc en fait on a, enfin c'est pas vraiment un Google Doc du coup, c'est un Google Cheats, ouais il me semble que c'est ça en anglais bien sûr, ouais. Donc là on a tous nos gains, en gros par case on met le chiffre, vous voyez par exemple on met qu'on a gagné à 100 000, tu vois, enfin là c'est les vaches, 100 000. Hop, on fait entrer, tu vois, là c'est mes gains total 100 000, et puis ça rajoute à la cagnotte. Bon, du coup, eux, il leur reste, donc ça calcule tout automatiquement. Donc eux, en fait, ça, la case là additionne tout ce qu'il y a là. D'ailleurs, elle est un peu trop petite. Voilà, donc la case là additionne tout ce qu'il y a là. La case là additionne tout ce qu'il y a là. Et puis la case là, en gros, c'est le truc, c'est 1 million
moins les dépenses totales, plus les gains. Donc voilà, c'est calculé pour que ça soit tout automatique. On a juste à mettre le chiffre. Hop, dès qu'on achète un truc, hop, vous voyez, on met. Allez, hop. Enfin, par exemple, ils ont gagné avec nous le nombre de bots. Bah, on va calculer ça tout de suite. Il y a combien de bots, t'avais dit Clever? 66. 66. Donc 66 fois 80, les gars. Bon, je préfère le 150, on faire. a dit. Ouais, mais je le fais en vidéo comme ça, voilà. 5280. Ah oui, mais tu parles. Non, c'est 80. Hein. Non, non, c'est Non, 50, non, c'est non. Non, 150. non, non. 5280. Donc déjà, vous avez gagné 5280 euros. Donc à rien faire. Donc C'est c'est pas pas mal. assez, c'est pas assez. C'est pas mal. Hein. Donc 5280. Hop, et voilà, gain total. Donc là, vous êtes à 92 000 euros. Et nous, du coup, hop, on va sur le truc des cochons. Bon, vous voyez pas tout ce que je fais, sinon on me préparait. Enfin, à peu près normalement. Et donc, attends, du coup, c'est 5280. Donc là, on met 5280 entrée. Et donc là, ça nous diminue notre prix, tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. J'espère que vous avez compris à peu près le système. Voilà comment on calcule. Bon, il y a le TAQMA aussi, mais vu qu'ils n'ont pas de budget, on n'a rien calculé pour l'instant. Et puis du coup, voilà. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment de case. Bah, après, ce serait trop le bordel. Mais on mettrait, par exemple, ça, si c'était pour le tracteur, on met le tracteur. Enfin voilà, ouais. Vous m'avez compris. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, au moins, ça calcule tout seul. Il n'y a pas besoin de faire des multiplications, des additions, machin. Au moins, c'est calculé tout seul. Donc là, il vous reste... Il vous reste pile 92 000 euros. Bref, du coup, on retourne sur le jeu, les gars. Je vais vous montrer ce qu'ils sont en train de faire à la ferme des vaches et puis avec le TAQMA. Donc, les gars, voilà. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils épandent du fumier. Bon, ils ont pas encore d'animaux, mais bon, bah, du coup, ils prennent dans le silo. Hein. Ouais. Mais c'est pour au moins, c'est pour qu'il y ait du rendement quand même. Donc, voilà, c'est quand même pour la bonne cause, on va dire. On va accélérer le temps parce que c'est vrai que le jeu, je trouve ça dommage. C'est que il y a des moments de la journée, il est pas très beau. Genre, les ombres et tout, je trouve ça pas très très beau. Après, c'est réaliste, mais c'est pas beau. Donc, du coup, là, vous voyez, je trouve ce screen là, il est pas très beau alors que ce serait un autre moment de la journée. Eh bien, il serait plus joli. Donc du coup voilà, voilà ce que ça voilà ce qu'ils sont en train de faire tout simplement. Donc ça c'est qui? C'est dans le gender, le gros gender, c'est qui? C'est moi. C'est donc Jules qui passe la charrue et puis Tommy donc dans le fen qui passe le déchaumeur, ouais c'est un rouleau plutôt, ouais. Et Le puis rouleau. voilà le rouleau et puis Klemmber donc qui épand du fumier. Donc bon les gars je l'ai Ouais. dit hein, mais c'est un peu du gaspillage pour la paille hein, dommage. En vrai je Oui, mais pense qu'on après sinon mettra la j'aurais plus prochaine 400 map. bottes. Ouais, mais la prochaine map, je pense qu'on mettra en place une sorte. Enfin, je pense qu'on mettra Juju ou Tommy à s'occuper de ça. Une sorte d'un truc comme une coopérative en fait qui achète de la paille ou des trucs comme ça, tu vois, tu les vends, tu, ça te fait du fric. Bref, du coup, voilà pour ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, moi, je pense que en attendant, je vais aller chercher vite fait ma petite bétaillère à la Kuma et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. Re, les gars, donc on est parti. On va chercher la petite bétaillère pour les cochons, du coup. Et puis en égo. Du coup les gars, bon là c'est un vrai t-shirt, mais il y a des moments où on m'a fait la réflexion, genre c'est il y a Rex Force il m'avait dit ça aussi, et puis ou c'était Zero, et puis Jonathan aussi. Jonathan il m'avait dit mais tu fais tes vidéos en pyjama ou quoi? Non en fait c'est bien un t-shirt, hein, ce que j'avais, c'est vrai qu'il y a un t-shirt on dirait c'est un peu un pyjama, mais non c'était bien un t-shirt, je vous rassure les gars. Donc là aussi c'est un t-shirt, hein, je vous le dis au cas où. Non je fais pas vidéo en pyjama, ça serait un peu chelou quand même. Mais non non je suis bien, c'est vraiment des vrais habits, hein, c'était pas un pyjama ce que j'avais. Donc là ils avaient pas d'entrée, donc l'entrée est de l'autre côté. Du coup ouais on fera tout à peu près, enfin on essaiera de faire à peu près la même chose. Bon les bâtiments après, de toute façon on vous représentera ça dans le prochain épisode, mais on fera quand même une vraie activité. Donc le sondage du prochain épisode encore une fois sera en description. N'hésitez vraiment pas à voter, ça nous ferait plaisir. Donc l'épisode du replay j'espère qu'il vous a plu. Pour l'instant le prochain n'est pas encore tourné. De toute façon je vous l'ai dit dans un post, mais pour ceux qui sont pas au courant, c'est tous les 15 jours, hein, vous aurez pas d'épisode de replay dimanche. On alternera avec une autre série entre guillemets, je pense vous l'avez, on a déjà fait, enfin non je vais rien vous dire sur l'autre série, mais voilà on enchaîne, on alternera avec un autre truc parce que le replay on peut plus une vidéo par semaine, c'est trop chaud, c'est faut que on tourne le vendredi soir, après faut qu'on fasse le montage et tout, c'est impossible les gars. Donc désolé pour ceux qui aimaient qui étaient habitués à avoir un épisode toutes les semaines, mais malheureusement par contre le gars il met un karcher de. Attends, Juju, je lui dis ouais, prépare la bétaillère ce côté et tout. Le gars il met un putain de karcher devant, quoi. Les gars, j'ai l'impression il a fait exprès de ça. Bref, du coup, hop.
On attelle ça. Et puis du coup, les gars, voilà, je vais aller chercher. Au pire, je vais faire une coupure. Je vais chercher mes cochons. Je vais les acheter avec vous. Et puis après, là, ce sera la vraie fin de la vidéo. Ok, les gars, donc on est arrivé. J'en ai profité pour avancer le temps parce que j'avais mis le temps 120. Sauf que, tout simplement, ça a avancé il fait la nuit. Bref, du coup, les cochons, on va prendre peut-être ceux-là aussi. Je sais pas c'est combien max. Ouais, 9 à peu près. Bref, du coup, les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais pas ramener ça avec vous directement, sinon la vidéo va durer une éternité. En plus, je sais pas conduire comme vous pouvez le voir. Ouais, ça fait 6 ans que je joue à farming, je suis toujours pas aussi conduire. Donc, c'est normal. Bref, du coup, on va aller faire l'outro avec les autres, et puis voilà. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, ils ont quasiment fini leur champ. Donc, du coup, comme d'habitude, le lien du nouveau sondage sera en description. Donc, comme d'habitude, vous aurez quelques questions diverses. Et puis, les questions des prochaines activités, et puis noter la série, proposer les défis. Bon, à chaque fois, il y a une question, proposer vos défis, vous inquiétez pas, on les lit. On prendra les meilleurs vraiment quand on sera bien installé sur la map. Là, je voulais commencer à en prendre, mais vu qu'on change de map, c'est mort. Donc, du coup, voilà, à prochain épisode ou l'épisode d'après, on commencera vraiment à en prendre des défis, mais proposer des défis possibles et intéressants, vous voyez. Parce que avoir par exemple 30 tracteurs avant l'épisode je sais plus combien, ça sert à rien, tu vois. Donc voilà. Bref, du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis à liker la vidéo. Et puis sur ce, nous on vous dit ciao tout le monde pour de prochaines vidéos. Salut. Salut. Salut.